Lyon d'Haïti, qui sur toute planète là, qui est éparpillé de tous côtés. Et nous connaissons, nous en forme, parce que nous sommes des gens, j'aime habitué à dire là, nous sommes des gens solides, nous sommes des gens qui sont résilients en dépit de tout ce qui a passé à travers le monde là et Haïti. Alors, Marvin, j'aime te promettre nous, Marvin, pour que nous présentions un projet excessivement, extrêmement intéressant. Intéressant, un projet qui va mettre la joie, un projet qui va mettre contentement dans le cœur nous, parce que nous connaissons tout à tenir avec en pile patience. Projet ça, c'est qui ça? Projet ça, c'est projet Jean-Jacques Dessalines, le grand, c'était vision que l'était quitté en dans constitution qui était fondée État-nation, ça, qui c'est pays, ça, qui vous dénonce Haïti. Et à partir de 1804, indépendance en fait, et bien en 1805, Dessalines pour aller écrire texte de loi ça, qui pourrait aller fonder pays ça, qui va aller fonder État ça. Et texte de loi ça, aller dégager une vision extraordinaire que l'idmotiv par voie PAM, eh bien nous faisons deux voies, nous faisons tous nos deux voies, une obligation pour nous décortiquer, pour nous présenter nos visions ça, vision politique ça, pour nous présenter nos visions économiques ça, pour nous présenter nos visions sociales ça, que Jean-Jacques Dessalines te gagné pour te faire pays ça passer, de Jean te dit l'article premier, de une puissance militaire à une puissance économique et politique. Maintenant, qui ça qui caché derrière tonton, gros tonton vision ça? Et bien derrière gros tonton vision ça caché un projet vraiment remarquable, un projet vraiment intéressant. Et bien ce projet ça nous porter pour nous aujourd'hui et le dénommer projet ça relé, si on a bien regardé, tourisme sage. Tourisme sage, c'est non ça projet ça, projet intéressant ça a gagné. Et bien pour qui ça? C'est tourisme sage qui relé. Et bien pour qui ça? Parce que Haïti, nous connaissons déjà, j'aime toujours présenter le nom. Puis gros produit nous gagnons. Produit qui est intéressant, qui est rentable, nous gagnons aujourd'hui pour nous vendre by tout le reste du monde. C'est histoire. Nous. Histoire pour qui ça? Parce que nous, c'est nombril monde. Nombril monde parce que nous, histoire, ça a été changé par le système capitaliste qui nous gagne aujourd'hui. Qui était gagné avant que Chita sur le système barbarien. Que Haïti, par Dessalines et la main indigène, ça va faire changer par cours. Haïti, c'est gros mirail, des gros bitets côté vent ça qui c'est barbarie et esclavage qui frappé là-dedans. Et Haïti, tu vas balle une nouvelle direction pour que je dis à nous gagner ça gagner là comme configuration dans le système économique mondial. Et bien, c'est pour ça, Haïti, c'est vitrine. Et bien, si Haïti, c'est vitrine, et bien, plus gros produit, c'est tourisme. C'est histoire, nous, c'est vraie histoire, nous. Nous allons pour nous vendre le reste du monde là. Que l'idmotiv mette sous forme projet ça, tourisme sage, qui c'est un système économique, un projet qui vient là-dedans, un projet économique, un projet politique et un projet social. Qui est-ce qui te quitte? Eh bien, mon idée là, l'autre qui est Jean-Jacques Dessalines, libérateur nation ça et libérateur de tout un peuple à travers toute planète là. Eh bien, si nous bien regardé, nous avons tourisme là, c'est lui-même, c'est pilier économique là, c'est tourisme là. Et le tourisme, nous allons mettre l'ETIO. Nous allons garder TA, c'est pour territoire. OA pour organisation. UIAN pour urbanisation. R là pour réconciliation. IAN pour intégrité. S là pour sécurité. M là pour modernisation. EA pour éducation. S là, dans sage là, S là pour santé. A pour agriculture. T, alors J pour justice. C'est projet ça. C'est gros projet ça. Que Jean-Jacques Dessalines a dégagé. En dans la constitution 1805 là que en pile monde en pile génération passé pas arrivé décortiqué en pile monde par contre pour qui raison des monde qui passé des intellectuels chevronnés que gagne dans pays ça dans toute génération passé peut-être parce que yo peur et puissance qui toujours contre nous qui parle de développement yo peut-être parce que yo pas jamais prendre temps yo pour yo aller garder constitution ça pour décortiquer ou bien peut-être qu'il était toujours à regarder Jean-Jacques Dessalines avec aux yeux européens ou aux yeux américains. Parce que le système éducatif, nous, c'est français qui fait. C'est américain qui a bâillé, écoute, mais la donne. Et il est venu avec livre par yo, il a écrit l'autre livre pour nous. Et bien, ça fait quoi? Ça fait que Haïtien, il n'a pas voulu tourner le projet ça, ou bien il a tourné le projet ça. Il a regardé Dessalines avec des idées préconçues, des idées négatives. Parce que français, dans le livre que petit mounio, et bien, il dit que ça de Dessalines, et bien, nous connaissons déjà, c'est sanguinaire, Dessalines, c'est ceci, Dessalines, pas de compte, il pas de écrit. Bref, et bien, c'est pour ça que je dis, génération ça,
avec les motifs comme fer de lance, eh bien, il est venu pour que lui montrer que le projet, ça, c'est le seul projet national que le pays a gagné de toute l'histoire. C'est le seul projet national. Après ça, tout l'autre projet qui est venu après 1806, après la mort de Saline, c'est des projets de déconstruction nationale qui toujours yé. Et c'est pour raison ça nous fait nos devoirs. Nous avons ça comme une obligation pour nous capables de décortiquer et présenter un projet viable. Qu'on un projet durable, un projet de développement intégral, ça, avec un système politique et économique sans pareil, moderne depuis les Dessalines, fait là pour développement intégral pays ça et pour développement intégral peuple ça qui c'est peuple Haïti. Maintenant, nous allons regarder. Maintenant, nous sommes montés touristes sages, qui c'est non projet ou bien non programme. Là. Maintenant, ça nous fait, nous allons montrer que le programme ça, c'est un mode d'organisation. Nous avons dans l'air. C'est organisation du territoire, c'est-à-dire le tourisme sage, c'est un mode d'organisation. C'est un mode d'organisation territoire ça, qui va chita sur 10 points fondamentaux. Premier point, nous organiser. Vous voyez, d'après l'état de des zones, maintenant, nous mettons dans l'ordre et nous organiser. C'est-à-dire organisation territoire ça, chita sur premier bagaille, sur réconciliation. Réconciliation pour qui ça? Parce que depuis après 1806, le pays a divisé, le pays a déchiré, et nous avons besoin de réconciliation hein, pour nous faire tout le reste travail. Hein. Maintenant, automatiquement, il y a une réconciliation ça possible. Sécurité intérieure là possible. Automatiquement, il y a une sécurité intérieure. Et bien, on peut protéger le territoire de monde qui vient en bas. Il y a sur la mer, et en l'air, et à terre. Automatiquement, on fait ça. Et bien, éducation, qui c'est la colonne vertébrale de la société, ya, avec nouvelle histoire d'Haïti, ou bien vraie histoire d'Haïti, ya, qui prend la colonne vertébrale. Et bien, la possible parce qu'il y a une sécurité. Il y a une réconciliation, il y a une sécurité. Troisième point. Gain éducation, la vraie éducation ou seule éducation. Et cap bay quoi? Cap bay des monde intègres, des citoyens haïtiens intègres et honnêtes. OK? C'est ça de Saline te vle et c'est ça le écrit, c'est ça le quitté et c'est là n'a tourné. Automatiquement fin gain éducation, gain intégrité, mais pas un problème pour n'y a pas gain justice parce que monde qui prend l'injustice, c'est des monde qui gain colonne vertébrale, c'est des monde qui bien construit, c'est des monde qui prend le fait que genre la Bible est là. La justice, c'est lui-même qui lève n'importe quelle nation. Depuis qu'il y a justice, la nation a en l'air, la nation a en haut. Et automatiquement, il y a justice, ça veut dire qu'il y a 5 points. Nous avons réconciliation, nous avons sécurité, nous avons éducation, nous avons intégrité, nous avons justice. Il n'y a pas de problème pour l'urbanisation, il n'y a pas de problème pour la modernisation, il n'y a pas de problème pour l'agriculture, parce que nous connaissons les touristes dans le palais, et il n'y a pas de problème pour la santé. Ça veut dire qui ça? C'est quoi qu'il y a un projet ça? C'est quoi qu'un programme ça, messieurs, dames, que Leadmotiv H, l'hypothé pour nous. Maintenant, nous avons un bagage pour nous faire qu'on y a, pour nous montrer que nous sommes contents. Ou bien pour nous montrer que nous ne sommes pas contents. Mais sauf que nous ne sommes même pas contents, nous ne sommes pas contents. Pour qui ça? Parce que nous sommes des mondes extraordinaires. Et projet ça, son projet extraordinaire. Eh bien, nous allons montrer nous contents qui gens. Nous allons réagir sur la page Leadmotiv H là. Comment nous allons réagir? Nous allons partager avec tout Haïtien, parce que tout Haïtien a besoin qu'on ait. Et comprendre projet ça, parce que c'est projet ça qui va mener nous la nouvelle Haïti. Ok? C'est projet politique ça, projet social ça, projet économique ça, qui va mener nous dans l'autre Haïti. Et là, nous réagissons, par exemple, nous partageons avec tout le monde, parce que tout Haïtien net supposé qu'on est, tout Haïtien net supposé well, tout Haïtien net, mais qu'on a pour tout Haïtien qu'on est pour well. Faut que nous, maintenant, souscrire, ça veut dire, faut que nous abonner à la page là, faut faire ça. Ok? Et non seulement pour nous abonner à la page là, fait tout le monde abonner à la page là, et fait que partager. Projet ça, partager quelqu'un qui projet ça avec tout le monde et après ça, ben nous feedback yo. Ben nous feedback yo. Dites ça nous pensez, n'a pas tant d'interaction avec nous, n'a pas tant de commentaires nous yo, n'a pas tant de suggestions nous yo. Et puis ensuite, qu'on a pour nous faire ça, qu'on fait comme correction yo et pour nous aller exactement côté nous aller dans la direction côté nous aller. Direction ça, qu'est-ce qui va aller? C'est Jean-Jacques Dessalines qui te quitte, Leadmotiv interprète et tout le monde en Haïti, qui haïtien, qui haïtien ou bien qui à l'étranger, a marché derrière elle. Pour que finalement Haïti entre dans la destinée. C'est ça que je vous dis pour nous aujourd'hui. Songez à dire nous, abonnez, en pile, partagez en pile, et faites commentaire en pile, et dites-nous ce que ça nous pense de projet en pile, suggestion, pour faire nos corrections, ça nous pense, pour nous garder comment nous harmoniser, et aller vers Nouvelle Haïti, sa tête droite 2022-2023, pour que dans 7 ans qui viennent là, pour tout le monde saisir ouais, qui ça, qui Haïti a. Et qui ça qui Jean-Jacques Dessalines, qui ça qui vision ça, et qui ça qui haïtien en général, qui yon même pral pote, yon même. En tout, généralement, tout haïtien pral pote vision ça, pral marcher des vision ça, et pral baye vision ça. J'arrête pour finalement, il sorti de
cette vision pour le matérialiser, pour le passer à la réalité. Merci en pile, merci en pile. M'attend nous dans deux ou bien trois jours parce que nous allons pour nous faire quoi? Nous allons pour nous prendre chaque thème nous, chaque 10 thèmes ça yo, grain par grain pour nous décortiquer yo, pour nous mettre nous qui ça qui derrière chaque grain thème ça yo et pour qui ça chaque grain thème ça yo c'est yo là et pour qui ça c'est yo même qui va mener nous dans la nouvelle Haïti. Merci en pile, merci beaucoup.